Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour tenter de faire un junk avec ce Papercraft set de chez Action. Voilà, donc moi j'en avais déjà réalisé un petit junk comme ceci, pareil avec Papercraft set sur les licornes. Je vais réaliser donc un petit junk, je vous l'ai montré en vidéo. Et du coup, comme il me reste celui-ci et j'en ai encore un autre, je me suis dit, tiens, on va se faire un junk ensemble. Il va être tout simple, hein, je ne suis pas non plus une pro des junks, hein, mais c'est pour, voilà, si vous ne savez pas quoi faire, vous avez ça, vous avez plein de chutes de papier, etc. On va attaquer. Vous allez voir, on va faire simple. Du coup, dans ce set de papier, donc vous avez à l'intérieur, vous avez deux petites planches d'autocollants, de stickers, vous avez des petites feuilles comme ça, vous en avez 8, il me semble, donc recto et verso. Vous avez 8 tags, donc ça peut être sympa. Vous avez les grandes feuilles comme ceci. Vous en avez 8 aussi, il me semble, hein, ouais. Donc 8 feuilles comme ceci, donc recto et verso. Et vous avez 4 planches de die cut. Donc ça, c'est bien aussi, c'est bien pratique. Donc ça, voilà, on va essayer d'utiliser tout ça pour faire un petit junk. Moi je me suis préparé quelques papiers quand même. Parce que donc on va utiliser ça, mais aussi moi j'ai préparé des feuilles, donc quelques feuilles vieillies, donc vieillies au café. Alors j'en ai préparé 2. Donc ça, ce sont les feuilles qui seront vieillies au café et passées au four. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai pris des feuilles dans les tons, enfin une feuille dans les tons verts, ça c'est ce qu'on trouve dans les papiers qui vendaient par un ou deux petits, enfin un kilo je crois, un kilo de feuilles. Donc du coup, je vais partir sur les tons verts et bleus pour faire le junk. On va passer dans ces couleurs là. Du coup, bah, j'ai pris un papier vert donc, texturé sur un côté, les deux côtés d'ailleurs. Ça, j'ai sorti des feuilles comme ça aussi, bleu et vert comme ça. C'est là-dedans. Là-dedans. Il y a différentes couleurs. Donc là, j'ai pris une feuille verte, une feuille bleue. Pareil, il y a une feuille, un papier 1 kg, donc un peu cool. Et un peu doré. Derrière, elle est blanche. Là, une feuille verte, pareil, et un petit peu doré. Et ici c'est blanc. Je me suis préparé une enveloppe qu'on trouve pareil chez Action. On met ton vert. Donc là j'ai pris un peu de rose. Alors pareil, un papier 1 kg. Et j'ai pris des feuilles que j'ai pensées au papier crépon. Donc voilà. Donc là on est ton bleu et on est ton vert. Donc je vous mettrai si je retrouve la vidéo. Comment teinter ces feuilles au papier crépon, c'était Abacraft, je crois, qui faisait ça. Enfin, j'ai vu une de ses vidéos et je me suis lancée à faire ça. Alors, petit conseil, si vous faites vous vieillissez vos papiers au papier crépon, protégez bien vos plans de travail, parce que ça tâche, hein, et mettez des gants. Et j'ai pris aussi une feuille dans les couleurs beige et une feuille dans les tons verts, papier basique, hein. J'ai pas pris ma feuille qu'on trouve pareil, hein, chez Action, les papiers couleur. Donc on a déjà pris tout ça plus le set. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi qu'on va pouvoir peut-être utiliser? Alors si vous avez des grandes enveloppes aussi comme ça, vous pouvez les mettre, mais j'ai dit que je faisais à peu près que du produit d'Action. Donc on va pas utiliser celle-ci. Celle-ci non plus. J'ai sorti du papier vellum. J'ai aussi une enveloppe comme ça, les 15-15. Hein. Donc ça j'en mets une. Ça c'est une enveloppe comme ça, je vous l'ai présentée. Et après, ce sera la partie déco. Donc la partie déco, je vous la montrerai après.
on va certainement déjà commencer par la structure. Comme ça, une fois que la structure est faite, ce sera mieux. Donc, pour, alors là, j'ai dû prendre une dizaine de feuilles en tout, je pense. Encore, je ne sais même pas si je vais utiliser celle-ci. Je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc je ne sais pas si je vais utiliser celle-ci parce qu'elle me paraît un peu épaisse. Je vais voir. Pour le papier de couverture, je vais prendre celle-ci. Donc c'est sur les feuilles à 4. Donc celle-ci et celle-ci. Il y a un peu côté bois juste derrière. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci pour ma couverture. Donc ça, je vais la plier en deux. Voilà. Et comme ça, vous voyez déjà, on a déjà la couverture. Et ensuite, nos papiers, on va les plier en deux aussi. Tout le papier qu'on a, donc feuille à 4. Donc, alors après, vous n'êtes pas obligé de prendre du papier du lit. Hein. Je pense que voilà, j'aime que. À la base, c'est fait que de papier récup, donc, mais bon. Je trouve que c'est sympa. Papier, en plus, en papier crépon, enfin, les papiers vieillis au papier crépon, je trouve que c'est, ça donne un petit truc en plus. Ça fait un peu de couleur, moi j'aime bien. J'aime bien faire les jeans avec des papiers de couleur. Ça change. Ça, c'est mon enveloppe. Alors, celui-ci, il est très très fin. Et du coup, je pense que celui-ci, je vais le plier à l'envers. Et je vais le mettre comme ceci. Ça me fera des petites pochettes, en fait. Comme ça. Et je vais juste coller sur les côtés. Mais ça, on peut faire ça plus tard. Hein. C'est pas... Et je vais faire ça comme ça. Celui-ci, celui-ci, on va le plier comme ça. Alors, celles-ci, les petites feuilles, je vais les coller. Pas, je vais les coller, je vais les plier, pardon, en deux, comme ça. Et est-ce que celle-ci, je vais la plier comme ça aussi. Donc il sera dans les tons vert bleu, avec un petit peu de rose dedans. Ça, c'est le papier vieilli au café. Et après, on va juste... Voilà. Donc ça, je pense pas que je vais l'utiliser. Elle me paraît... C'est trop épais. Et après, et ben, du coup, on va assembler nos pages. Alors, mon... La couverture. Donc à l'intérieur, la couverture, c'est comme ça. Et bien, on va faire... comme ça. Voilà. Donc, une petite couleur. On va mettre une petite pochette là. Et ici. Donc vous devez vous soyez à tout superposer. Est-ce que j'en ai une enveloppe? Je prends une petite enveloppe et je vais la plier en deux pareil. Je vais mettre comme ceci. Comme ça, on aura une petite pochette ici. Et ici, on aura juste à découper ici pour faire aussi une petite enveloppe. Une petite poche ici.
Donc je vais mettre celle-ci. On la coupera un peu plus là. Donc, comme ça. On va mettre la rose. On va mettre la verte. Alors, du coup, il nous reste ces deux feuilles-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, ça dépasse un petit peu l'enveloppe, mais c'est normal. On va la couper après. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai fait déjà l'intérieur. Après, vous pouvez rajouter plein d'autres choses. Hein, c'est pas... Mais après, là, on va jouer plutôt sur la décoration. Ça fait quand même pas mal de feuilles. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça fait 30 feuilles en tout. Donc, enfin 30 feuilles. Voilà, 30 pages. Donc c'est pas mal déjà. Alors, ce qu'on peut faire, parce que là, ça va forcément dépasser un peu. Donc ça, forcément, l'enveloppe, là, on va la couper. Hein, ça, c'est sûr. Alors après, vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez laisser dépasser un peu. Moi, je n'avais pas coupé hein, pour celui-ci. Pour le Jumping Pond, là, je ne l'avais pas du tout coupé ici. Ça ressort un peu, mais moi, personnellement, ça ne me choque pas plus que ça. Après, bah, ça, c'est comme vous voulez. Soit, si vous voulez un truc propre et net, vous coupez. Sinon, vous voyez, vous laissez ça comme ça. Hein. C'est pas, pas méchant. Mais, ouais. Une fois que c'est bien... c'est bien lié tout ça, ça ne refait pas tant que ça. Mais on va quand même faire celui-ci. Donc, on va juste couper l'enveloppe un petit peu. Ma règle n'est pas assez grande. On va couper un petit peu plus. Voilà. C'est coupé, comme ça, ça ne sortira pas. Donc ça, on recollera un petit peu ici, je pense, sur les petites ailettes. Voilà. Donc là, ça ne ressort plus. Je vais peut-être un peu. Voilà. Ça ne ressort plus. Alors. Allez, on va peut-être couper un peu. Je sais pas. On peut faire. Hop, je vais enlever ça. Et on va couper un petit peu. Alors, ce que je vais faire pour couper, je vais enlever toutes les petites. Toutes celles qui ne dépassent pas en fait. Donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Enlever, on mettra ça après sur le champ. Et top. Donc là, on se retrouve avec ça. Et on va couper un peu. Soyons fous. Alors, soit vous coupez, donc au cutter, ou alors vous pouvez vous amuser à faire. Vous prenez une petite une règle et vous le déchirez comme ça, le papier. Ça peut être sympa aussi. Est-ce qu'on le fait? Ça risque d'être un peu long. Ouais, je vais vous le faire. Donc là, hop, comme ceci, si vous ne voulez pas utiliser de cutter,
Voilà, et là, vous l'avez découpé un petit peu aussi. Donc, je vais faire ça, ça, sur tout le page, moi, après tout. Je me suis lancée à faire ça, donc on va faire. Donc, après, même si ce n'est pas égal partout, c'est pas grave. Allez. Bon, ça fait un petit style, ça. Hein. Je vais couper ça sur toutes mes feuilles, et puis je vous retrouve quand même. Alors, du coup, j'ai presque tout fait. Et il me reste la dernière page à faire. Donc, je vais tout enlever sur le côté. Oh, je trouve ça sympa. Ça fait un petit style aussi. Bon, ça prend un peu de temps. Mais voilà. Ça change. Donc voilà. Donc là, ils sont tous découpés à peu près à la même grandeur. Si c'est pas pareil partout, c'est pas grave. Donc du coup, on va remettre les petits éléments dedans. Donc là, on a la couverture. Et normalement, avec la couverture, vous voyez, ça ne dépasse plus. Ça, c'est au choix. Donc du coup, on va remettre nos feuilles, enfin, nos petites enveloppes, etc. Donc ça, hop, on met ça comme on veut. Celle-ci, il me reste l'enveloppe. L'enveloppe, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai tout glissé à l'intérieur. Donc, on va mettre ça tout comme il faut. Alors, aussi, vous auriez pu aussi couper un peu sur le haut pour éviter que ça dépasse. Mais là, c'est vraiment pas mieux. Ouais, voilà, si on met ça bien droit, ça le fait. Donc là, ça nous donne... C'est pas énorme en grosseur, mais une fois qu'on aurait mis toutes les décos à l'intérieur, etc., vous allez voir que ça va prendre un peu plus d'épaisseur. Donc, du coup, on va le relier. On va le relier et voilà, c'est ça qu'il nous fallait. C'est tout des... avec quoi je vais relier? Avec ça. Je vais les tenir avec ça. Pour faire des petites attaches comme ça. Alors, une fois que vous avez tout placé correctement, vous vérifiez que vos enveloppes sont mises soit au milieu, soit en bas. Donc là, tiens, celle-ci, je vais la mettre en bas par exemple. C'est bien mis. Ceci. Je vais peut-être faire mettre un petit peu en haut. On va changer un peu. Hop. Hop. Ceci, on va mettre au milieu. Voilà, c'est pas mal. Donc, hop. Il va falloir le relier. Donc, une fois que vous avez tout mis comme il faut. Hop, voilà, on va tout centrer, on va tout rapprocher pour que on puisse bien mettre au milieu. Voilà, vous voyez, tout est au milieu pour qu'on puisse bien relier. Alors, on va prendre une petite pince. Pas sûr que ce soit les meilleurs que j'ai prises. Bon, on va essayer avec ça. Donc, et on va venir mettre ça, accrocher ça partout. Hop. Alors, en veillant à ce que ce soit quand même droit. Hein. Parce que là, j'ai pas l'impression
que ce soit bien droit. Hop. Donc ça c'est si on se fait entrer. Comme ceci, hop, et ici, la dernière en haut. Voilà, donc là, vous avez tout est relié ensemble. Et si tout va bien, hop. J'espère que c'est à peu près bon. Et donc là, du coup, on va relier ici. Alors, pour relier, je crois que j'ai dit ça, on va prendre la tuile de chez Action. Les aiguilles, ben, alors les aiguilles, ça, chez Action, je ne sais pas si on l'a. C'est, voilà, donc moi, j'ai une aiguille qui est comme ça. Voilà, avec le bout qui est un petit peu, vous voyez, qui est un peu recourbé et... le chat, comme on dit, il est énorme. Donc du coup, ceci, c'est celle-là que je prends. On peut utiliser ensuite donc, un petit pic. Alors, je vais sortir un petit pic. J'ai celui-ci, vous voyez. Un petit pic comme ça, pour faire le trou. Moi, je prends un petit carré de mousse que je mets dessous. C'est beaucoup plus facile, je trouve. Et on va prendre le milieu de notre junk. À peu près le centre, hein, on n'est pas 21, donc 10,5. Je ne voyais rien. Donc vous prenez le centre de votre junk. Donc ça fait à peu près donc 21, donc 10,5. Une fois que vous avez fait votre petit point, vous prenez votre petit pic, on fait un trou au milieu, hop, le trou est fait et on est ressorti derrière. Donc ça c'est le trou et après on fait un trou en haut. Et un trou en bas, alors à peu près à 1 cm, 2 cm, c'est vous qui voyez. Moi, je vais faire à peu près ici, donc à peu près 1,5 2 cm, je pense. Donc, pareil, je fais mon trou. Je ressors de l'autre côté. Et un autre trou, ici. Et c'est bon. Une fois que ça s'est fait, j'aurais dû préparer... Donc vous prenez de la twin, je vais prendre en verte. La twin ou autre chose, hein, du moment que ce soit de la ficelle qui soit assez costaud. Vous voyez, j'ai pris la verte. On fait 1, 2, 3 fois, 3, 4 fois la longueur. On va faire 4 fois. On va prendre de l'aisance. Et 4 fois, vous prenez 4 fois la longueur de votre junk. Hop. La petite aiguille, on passe ça à l'intérieur. Alors vous pouvez aussi directement passer votre aiguille sans faire de trou avant. Vous pouvez directement coudre le junk. Il y en a qui le font aussi comme ça. Moi, je ne suis pas encore tout à fait au point. Donc, premier trou, on passe l'aiguille à l'intérieur. Alors, ouais, ça, je l'ai parfait. Moi, j'agrandis un peu plus mon trou, du coup, parce que
Mon aiguille est assez grosse, donc du coup, moi, j'ai refait un trou un peu plus gros. Et là, normalement, ça passe à peu près. Donc là, je la passe à l'intérieur. Tac. Jusqu'à l'extérieur. Je me laisse un peu de large ici pour faire le nœud. Ensuite, ben, vous allez soit en haut, soit en bas. Donc là, vous sortez et vous re-rentrez par le trou du haut ou le trou du bas. Là, j'ai pas agrandi mon trou. Donc, je vais l'agrandir pour que ce soit plus facile à passer. Donc, on a dit, hop, à l'extérieur. Et là, vous pouvez vous aider de votre plan de travail pour appuyer. On tire et là vous avez votre fil qui est là. Là vous le repassez. Vous le repassez au milieu. À l'intérieur, on est déjà passé une première fois. Donc là on repasse à l'intérieur. Donc c'est là que c'était un peu plus embêtant à passer. Mais bon, ça le fait, hein, ça passe. Normalement. On repasse au milieu. Ici, vous voyez, vous repassez. Donc. Alors, hop. Donc là, on commence à serrer un petit peu quand même pour que notre chunk, notre reliure se fasse bien. Et là, donc là, on est à l'extérieur. On est à l'extérieur et là, on va repasser ici à l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, je refais mon trou. Là, vous êtes à l'extérieur, vous allez donc en bas. On va en bas. Et hop, on peut saisir de notre plan de travail. Et là, c'est bon. Et là, il faut serrer un petit peu quand même pour que notre reliure tienne bien. On vérifie derrière que là, c'est bon. On serre. Vous voyez, j'avais de la marge. Et là, on vient faire notre nœud ici. Un nœud, une boucle. Hop. Donc, on serre bien. Alors, évidemment, je ne vais pas y arriver. Si, c'est bon. Donc, hop. Donc là, évidemment, elle est mal serrée. Ça m'aurait étonné aussi que j'y arrive du coup, ouf, hein. Donc ça, je vous ai dit, quand c'était en vidéo, on n'y arrive toujours. Alors que mes reliures... Bon, je vais enlever mon nœud, j'arrive. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc là, on fait... moi, j'ai fait un double nœud. Un nœud, hop, là, et on va en faire un deuxième pour être sûr que ça tienne bien. Je laisse un peu pendiller comme ça, on enlève nos pinces et que tout va bien. La reliure est un peu très bonne. Hein. Donc là, j'ai l'extérieur, vous voyez, ils sont ici, ma reliure ici, et à l'intérieur, si tout va bien, tout est relié. Donc là, on avait décidé de mettre en bas. Hop, comme ceci. Donc là, elle est un petit peu, oui, j'ai un peu mal déchet, mais c'est pas grave. Hop. Ici, donc, je vais coller, je vais voir.
ça, vous voyez, vous avez déjà votre junk qui est presque fait. Enfin, qui est fini. Après, il reste que la déco après à faire. Bon, après, on fait la déco, voilà, on va la faire aussi ensemble. On va rajouter quelques petits embellissements, etc. Donc ça, c'est mon enveloppe. Vous voyez, tout est bien tenu, hein. Voilà, je vais vérifier quand même, voilà, que tout est mis en place. Donc là, c'est bon, ça, c'était de la page. Ici, voilà, hop, là, ici et ici. Et voilà. Donc, voilà déjà pour la structure du junk, le tag à l'intérieur. Et puis après, ben, on va passer aux embellissements. Alors, pour les embellissements, qu'est-ce qu'on a prévu comme papier? Ça, je ne l'utilisais pas. Donc, vous avez du papier vellum, vous avez des étiquettes, enfin des autocollants, comme ça, pareil, qu'on a tout de chez Action, des petites planches de stickers qu'on met dans les planeurs normalement, mais bon, au niveau des couleurs, il y a des couleurs qui me plaisaient bien, donc on va certainement utiliser ça. J'ai ressorti le petit livret de tag, pareil, on va s'en servir. Du papier 15-15, donc ça, il vient de chez Noz. Ah, mais après, quand, si vous avez du papier 15-15, donc moi dans les couleurs vert, hein, vert bleu, donc, bah, on va en utiliser aussi quelques-uns, donc j'ai sorti quelques blocs. Ça aussi, pareil, qu'on a tout dans le même magasin, là il y a les petites étiquettes, etc. On a les stickers, donc ça on va certainement en utiliser. Donc là j'ai sorti les trois paquets que j'avais. Et après, des tamponnages, de la dentelle, des rubans, du washi, voilà, on fera ça. Bah, on fera ça au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, vous voyez déjà pour le premier épisode, on va dire, pour le junk. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous voulez comme style d'embellissement, etc. pour mettre dedans. Et puis on essaiera de faire ça ensemble. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye!